Hey, tout le monde est bienvenu sur ce nouveau live qui est un live en test sans mobile, mais vous allez sûrement vous dire qu'est-ce que je fais sur ordinateur si je teste. C'est juste qu'il y a une application qui s'appelle Nox, qui est un simulateur d'Android. Regardez. Si il y a bien, vous voyez là, donc là il y a des Sims, je ne sais pas. Du coup, je vous montrerai un tuto pour télécharger l'autre si vous voulez, parce que je joue aussi à une espèce des fois dessus. Donc là, j'ai téléchargé les Sims sur mobile, sachant que je n'ai jamais joué les Sims, 4, 6, 8, 6, 6, et tout. Mais les Sims sur mobile et tout, je vous dis, j'ai raté mon Sims, mais par contre, j'aime les Google Objets de vous occuper des ordinateurs. Donc là, il faut mettre l'âge que j'ai 15 ans. Et oui. Mais je bug. Que se passe-t-il? Pourquoi je bug? Est-ce parce que je vous ai montré? C'est un simulateur d'Android. Est-ce que le live commence mal? Oui. Hello The Fun Games. Hello Karine Remeter. Comment ça va? Bon, regardez, je bug extrêmement, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais relancer Nox, car je bug, je suis dissoulée. Le bug, là, regardez, oh là là, oui. C'est un bug, oui, je confirme. Désolé si vous avez le son de l'ordinateur, ça vient de faire un peu si pour vous. Si vous avez le son, on va relancer l'application, car elle a bugué. Hop, ça me dérange. Hop, on va la mettre. Je suis désolée. Oh, j'ai des messages, je suis désolée. Oh, oh là là, qu'est-ce que se passe-t-il? On essaie quand même de la relancer, vraiment. Je suis désolée, ce n'était pas prévu. Merci Karine, c'est super gentil, mais je ne te connaissais pas avant. C'est une nouvelle. Oh, désolé, j'ai des petits messages, comme tout le monde, je pense, une seconde. Alors, je n'arrive pas à lancer Nox, c'est un petit peu embêtant. Ah, ça y est, donc voilà, Nox, quand ça s'ouvre, ça ressemble à ceci. Donc moi j'ai la version Nox Player 6.0.6.1. Et comme vous pouvez voir aussi maintenant j'ai des musiques sur le ordinateur, ce qui est plutôt pratique. Donc j'essaie de trouver des que j'ai. C'est assez cool. Voilà. Sinon comment se passe tout parce que moi pas de son nom. Voilà, je vois que c'est que je qu'est-ce que c'est que Nox est extrêmement mauvais de souffrir. C'est bien bizarre, cela. Non, si je sais pas prendre ce que je veux, on va pas aller bien. Non, c'est pas bien. Sans. Donc voilà, quand nous, on dirait vraiment que je suis sur un téléphone. Donc on va aller sur les Sims, on va relancer les Sims. Donc hop. Donc c'est le son. C'est un petit peu de temps à l'ouvrir. C'est un petit peu de temps. Ah, donc là, ça c'est ouvert. Donc, il faut que je
Ah, ça y est, non, j'ai pas 8 ans, j'ai pas 18 ans. Ah, 15, 16. Non, 13. Je peux pas réussir à mettre 15. 15, puis j'accepte. Voilà, les Sims Mobile, ça charge. Plus vous jouez, plus vos Sims obtiennent rapidement de nouveaux traits de caractère. Je pense que c'est ça tout à l'heure qui m'a fait bugger. Alors je pense. Hein. Ah, il y a une nouvelle vidéo de Kenzel qui vient de sortir qui se nomme Ultra Rare de retour. MSP, oh my god, trop beau. Donc je pense que je vais la regarder après. N'hésitez pas à aller la regarder évidemment après le live. Voilà, j'ai baissé le son au maximum. Donc, hop, je suis, j'ai vos commentaires, donc c'est un petit peu embêtant à chaque fois. Voilà. Donc, il est temps de créer votre premier Sims. Donc, est-ce qu'on personnalise? Donc, on n'a pas le droit de voir un autre sens. On va personnaliser votre sens pour trouver la combinaison gagnante. Ok. Modifier le nom de votre sens ici. Modifier l'apparence de votre sens ici. Donc, ok. Donc, on commence par créer un homme ou un garçon. Moi, je pense qu'on va commencer par trouver. J'ai quand même dit un homme ou un garçon, alors que je vais choisir une fille ou un garçon. Donc, on va commencer par créer une fille, je pense. Parce que l'homme, oh là là, my god. Oh my god, oh là là, mais j'arrête pas de recevoir des messages. Il faut se calmer. Donc, déjà, on va commencer, on va pas. Je suis pas marquée par mon prénom, mais je vais. On va essayer de créer un truc. Ah, bon. Donc, comment pourrions-nous nous appeler? On va essayer de trouver un mot original. On va pas s'appeler comme sur MSP. Car ce n'est pas original du tout. Oh là là, désolé, mais je reçois des messages. Il y a des messages importants dedans. Et les messages importants, je dois répondre. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Là. Je vois plus vos messages là, c'est un petit peu embêtant. Ok, il y a un bug de messages. Je relance. C'est un peu mal, mais. Ah non, je suis un truc Pokémon. Je peux pas avoir vos messages, je suis désolée. C'est un petit peu embêtant. Est-ce que non? Donc, on va s'appeler. J'ai pas d'idées comme ça, de choses qui me viennent. De trucs, de séries, qu'est-ce que j'ai regardé il y a pas longtemps. Je n'ai pas d'idée. Tu vois une idée de prénom qui est là dans les commentaires. Moi, j'ai envie qu'on s'appelle Julie, au pire. Ah, j'arrive pas à écrire. Ah non, bec pas. Ah non, bah, non, on va pas s'appeler Chichou. Julie. Ça s'appelle Julie Bay. Oh non, quelqu'un. Voilà. Donc on va s'appeler Julie Bay, voilà. Le petit lol. Je peux les voir que sur mon ordinateur, mon téléphone bug et tout. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, mais il faut arrêter de me scroller mon message.
Ça se voit que j'ai jamais joué aux Sims, je suis nulle. Je réessaye de façon. Donc là, on me déteste, le piqué des lampions. Donc là, on dirait une chinoise. C'est pas beau. Franchement, c'est pas beau. Est-ce que si je prends celle-là. Celle-là, j'aime bien. J'aime bien. Changer de coiture. Oh, il y a plein de coiffures, j'adore. Je vais essayer d'ici à celle-là. C'est là. Ah, si. Peut-être la faire un petit peu plus creuse. Cette couleur, j'adore. J'adore, j'adhère et je valide. Donc sinon, pour les sourcils, on va faire des petits sourcils. Promis. Je pense que ceux-là, ils sont très très bien. Oui, ils sont magnifiques. C'est la couture. Ok, est-ce que je peux voir les commentaires? Peut-être que je pourrais faire un monstre. Donc la tête aussi. Pourquoi ne pas faire ce truc là, hein? Je sais pas de quelle couleur, non. C'est moche. Je me suis vraiment pas raciste, mais le rendu avec l'écran n'est pas très beau. Voilà, cette couleur est magnifique. Donc non, c'est bien comme ça. Mettre du maquillage, est-ce que déjà on va changer la forme des yeux, je pense. Ce genre de... J'adore. Ah non, ça va pas, ça lui va pas par contre. Est-ce que celui-là... Un petit peu moins, oui. Donc ceux-là, voilà, je vais mettre évidemment un petit peu de maquillage. C'est mon maquillage chez la base. On va mettre un petit teint de couleur rose. Hein. Comme ceci. Ensuite, un petit truc discret. Comme ça. Non, c'est une claque, évidemment. Et puis moi, j'ai mis un petit marron. Voilà le petit marron, il est tout discret, c'est mignon. Et le petit teint de rouge à lèvres, donc. On est bien. Je suis en train de prendre 2 heures à créer. C'est la première fois que je joue. Je pense qu'elle est assez bien, là. Elle est assez belle, tu vois, c'est pas. Pour quelqu'un qui débute, je trouve que ça passe. Oh là là, les nids, il n'y a pas trop de choix. Je pense que les nids qu'elle porte, il est déjà très bien. La bouche, on va faire une bouche beurrette. Oh là là, mais c'est quoi ce bel? Ah oui, il est en bel un moment. Je pense qu'elle est assez bien. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Peut-être une bouche un petit peu plus dessinée comme ça. Donc là, on part sur un truc pas piqué des hametons. Donc ça, je sais pas c'est quoi en fait. C'est pour faire les traits, les reflets. Oui, elle est assez bien comme ça. Hop, là, je mets du premier coup, moi. Hey Julie! Donc, j'ai pris ton prénom, mais évidemment, je ne te représente pas toi-même, mais c'est une
un hommage, une dédicace, prends ça comme tu veux. Donc, on entend, je pense, je suis là. Oui, ça fait plus mieux, ça fait plus normal, tu vois. Et les oreilles qu'on ne voit pas, donc c'est un petit peu compliqué. On va pas lui mettre des trous grosses, on va lui mettre celle-là. Comme ça, si un jour je suis pas fier, elles sont pas trop grosses. Donc pour l'instant, on n'a que la tête qui est faite, évidemment. Donc on vient de prendre une vingtaine de. Julie, je te créerai ton love quand j'aurai fini de te créer. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va le créer selon Julie et demain, on créera son love. Et en fait, je pense qu'on va faire un petit live 6 tous les jours car ça me plaît bien pour l'instant, évidemment. Donc le corps. Donc le corps, je sais pas si je la fais une bimbo ou pas, on va voir. Oula, j'ai pas fait exprès. J'ai sans faire exprès, j'ai tombé sur le dé. Regarde, qu'est-ce que ça t'a fait, Julie? Oh my god, on va aller changer ça tout de suite. Là, comme ça, je suis bien. Est-ce qu'elle a des muscles, genre, elle est enceinte, tu vois? On ne voit pas, en fait, là, quand je suis enceinte, tu vois. Je reviens, les amis, je fais une petite pause de minutes. Je vous laisse, évidemment, la musique. J'arrive! Wow. Tu me laves? Non, je te Mais pourtant j'ai quitté l'application, et ça il fait toujours le coup. Alors que je suis plusieurs en plus là. Parfait. Ah d'accord. Thank you.
m'entendez? Mais non. J'ai trouvé. Laisse parler à maman et papa. Maman et papa, je parlais. Les amis, ne vous inquiétez pas, j'arrive dans 2 minutes. En attendant, appréciez la musique et parlez entre vous dans le chat. Et je vous mets évidemment le fond là. Donc on s'est arrêté dans Sims pour l'instant à la création du personnage de Julie Bail. Et ma fille, j'arrive, comme vous pouvez l'entendre. Je ne sais pas si vous m'entendez quand je vous dis ça, mais j'arrive dans quelques secondes. Oui. Donc on va continuer la création du personnage Julie Bailly. Mais avant cela, je vais voir un petit truc. Non, c'était pas ça. Je veux pas mettre d'autres modérateurs. Oups, je ne sais pas me servir d'un ordinateur. Et du coup. Demande au modérateur s'il est encore sur le live. Et on continue tout ça tout de suite. Donc, pour Emma qui n'était pas. Je finis le corps et tu auras tout le monde, Julie Bailly, évidemment. Donc, j'ai mis Julie Bailly musclée, évidemment. Et regardez ce qu'on peut faire. Évidemment, je le retire après. Mais regardez. Ça ne le met pas là. Donc on va mettre normal, tu vois. Et hop là, voilà. Évidemment, il va falloir changer ce style. Parce que personnellement, les couleurs, je dis nine. Donc là, on peut voir qu'on a une Julie Bailly super musclée. Franchement, j'espère qu'elle est contente. Donc, pour Emma qui n'était pas là au tout début, donc aujourd'hui, nous sommes sur la première partie des Sims.
6. Aujourd'hui, je crée Julie. Demain, je créerai sûrement Soula. Et après-demain, je vais peut-être te créer Emma si tu arrêtes d'insulter Julie Bae. Donc, maintenant, on va aller faire son style. Ouh, j'ai encore cliqué sur le dé. C'est pas beau. Allons changer de style tout de suite. Donc, on va voir si on a un petit chapeau ou pas. On n'a pas encore d'option chapeau. Donc, on va aller dans le vêtement. Donc, il y a plusieurs trucs. Voilà, là, il y a plein de trucs pas beaux. Ça, perso, ça peut passer. Ça aussi. Et ça, pour montrer les muscles, c'est super bien. Mais évidemment, il faut changer de couleur. Un petit peu de kaki. Est-ce que le kaki rend bien? On n'a pas encore grand choix de couleur. On sent un petit peu de temps. Du coup, je pense qu'on va rester sur un petit style sort, un petit noir. Donc, le bas. Oh là là, on n'a pas de choix. Est-ce qu'on prépare un ensemble uni? Sinon, on a un pantalon à trous. Là. Après, je vois pas le rendu que ça donne en fait. Donc, après, il faut mettre des chaussures assez bien. Qu'est-ce que ça donne si on fait un recul? Oh, ça va, ça donne un assez bon style. Et ben voilà, tu mets un petit nœud trou. Et moi, je peux pas créer tout en même temps. Je vais aller voir avec tes baskets, mais moi j'aime bien comme ça. Mais on va voir ce que ça donne avec tes baskets. Parce que on peut pas savoir si on a pas assez. Le problème, c'est qu'on n'a que cette paire de baskets pour l'instant en choix et il n'y a pas beau choix. Je suis partie. Noir et bleu. Noir et bleu, est-ce que ça le fait? Ouais, mais en basket, ça fait pas trop beau, moi je trouve. Après, est-ce que si avec les accessoires, ça donne un truc assez beau? Est-ce que ça... Je ne sais pas ce que ça fait avec les lunettes. Est-ce que ça fait intelligente? Mais les libéries, c'est qu'elles deviennent très très classe. J'ai bien dit que c'était une représentation fictive. Emma n'est pas une vraie représentation d'elle. Est-ce qu'on met des petites boutures? Pour l'instant, on ne les voit pas, mais on peut quand même les mettre. Est-ce qu'on met des chaussettes? Est-ce qu'on met des chaussettes? En vrai, on ne les voit pas. Attends, juste pour voir comment ça fait moche. Ça fait trop moche. Évidemment, je pense qu'on va pas lui en mettre des collants. On va juste lui mettre les petites chaussettes qui passent. Et voilà le style de Julie Bae terminé. Ben, s'il est là, qui commente un peu. Alors, êtes-vous prêt à faire découvrir le monde à Julie Bae? Je suis prête à faire découvrir le monde à Julie Bae, qui est évidemment une représentation fictive. Donc, les Sims sont mobiles. Parce que c'est toujours pas bien que c'est un Sims mobile. Et je prends vraiment beaucoup plus à jouer aux Sims qu'à les Sims. J'adore les Sims. Donc, on aura sûrement plus de live sur les Sims que sur MSP. Donc, attention. Non, ce n'est pas vrai. J'ai jamais dit que j'avais mon jeu préféré à trois.
Donc voilà, ici, Julie Baillet qui arrive avec sa petite valise rouge. Et qui entre tant sous mon pied à une maison. Donc, elle nous commente. Je pense faire une famille car Julie Baillet nous a demandé qu'on lui fasse un love, donc elle tombera sûrement enceinte. Donc maintenant, lisons le jeu. Donc. Maintenant, je comprends pourquoi il disait charmante maison à retaper. Donc, on envoie la maison maintenant. Ok, putain, c'est pas sûr, oublié que c'est très bien. Même si enfin, je sais pas comment jouer. Donc là, Julie va faire le ménage. C'est tentant de faire un château, mais rangeons ses cartons. Très moi, STP, tu forces, moi. Je peux pas te créer tout de suite, car j'ai commencé une partie avec Julie. Mais quand on aura bien avancé, je pourrai te créer. Donc là, elle est en train de manger sa petite maison, Julie Baillet, car c'est une fille qui range évidemment bien et qui range tout. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Elle va. Mais MDR, c'est qui, Pony? Pony est mon modérateur. Qui dit c'est quelqu'un? Ouais. Oh, Julie Baillet, vous avez un très beau canapé bleu. Style de vie amélioré. Premier meuble. Bravo, Julie Baillet. Je t'apprends. Et maintenant, que vais-je faire? On retire un autre drap avec notre style. Et tu as deux chaises et une table. Bravo, bravo. Et une pièce de lit. Passons à la suite. Chambre ou salle de bain. Donc je pense que pour Julie, le plus important, c'est de dormir. Donc on va lui créer sa chambre. Waouh. Une magnifique chambre d'ailleurs. Le catalogue maison nous aidera à concevoir et décorer et construire. Donc super, vous savez de quoi cet endroit a besoin? De tout. Heure du coucher. Donc table de nuit. Là on a une commode. On va mettre la petite table de nuit. De Julie Baillet. Hop. On peut la mettre ici, on a la maison. Est-ce qu'on peut la tourner? Hop, donc je pense qu'on va rester dans cette tour-là. Moi, que je trouve particulièrement beau. Donc ensuite, on va lui mettre une petite commode en fonction de sa chambre. Tout ça, comme ceci. On va peut-être changer la couleur de la commode parce que. Toi, je ne sais pas. Non, je pense qu'on va rester dans ce thème. C'est bien trop beau. Oh, j'ai un message de Chérie Nouvelle tout à l'heure. Et la lampe, évidemment, on va la mettre sur la tête que je fais. Hop. On fait un petit OK. On va mettre une lampe noire parce que je kiffe. Et je dis, ok, donc on a fini la chambre de Julie Baillet, évidemment, c'était que le début, on l'améliorera. Oh, sur et à mesure, est-ce que Julie Baillet, la chambre te plaît? C'est la question. Donc, on va maintenant créer la salle de bain, je pense, parce qu'il faut quand même que tu te laves, même si la priorité était la chambre, on va pas se mentir. Donc, maintenant, on a le style de vie qui est amélioré, future maison de rêve. Ok.
Cet endroit a du potentiel, nous faisons une très bonne équipe. Oh, je crois que j'ai entendu frapper. Donc là, on a quelqu'un qui vient frapper, donc la salle de main sera pour un autre jour. Et oui, je deviens styliste d'intérieur. Bonjour, donc Sonia Gauthier, qui n'en connaît pas. Donc on va dire bonjour. Salut, je m'appelle Sonia, bienvenue dans le quartier. Nous avons tout nettoyé à temps pour recevoir notre première invité. Donc, allons nous asseoir dans mon canapé. Discuter des plans de décoration, poser des questions sur l'histoire de la maison. Donc, on va poser des questions sur l'histoire de la maison parce qu'on ne connaît pas. Mais voyons, Julie, il ne faut pas dire ça, tu ne la connais pas encore. On va déjà demander des trucs sur l'histoire de la maison. Nous avons tout nettoyé à temps. On a compris. Discuter de la maison et révéler un sombre passé. Donc là, un petit peu de la maison brûlée parce qu'on ne va pas que déprimer notre invité quand même. Du moins que cette maison soit habitable. Quoi, ma maison n'est pas encore habitable? J'ai fait une chambre. Hein. Elle abuse déjà, moi je te le dis. Hein. Hop. T'as trop raison, Julie. J'ai vu un panneau « Nous recrutons dans le parc municipal en venant. » Donc là, on avance dans le jeu. Je vais bien bientôt avoir fini mon panneau sur les Sims parce que je vais encore faire, je pense, 5 minutes. Et nous arrêterons à peu près. Le café embauche, ça sent les opportunités. Et le café débloqué gratuitement. Oh, il y a plein de choses qui se passent. Rejoignons la carrière barista en tapotant la station de barista. Quelle histoire allons-nous raconter? La voie lactée. Commençons à gagner. Ok. Donc, on a un travail. C'est gentil de donner une chance à une barista en lumière. Espérons que mes expressions seront acceptables. C'est parti pour faire 10 expressions. Commençons à gagner des 6 récompenses possibles. Je ne sais pas comment on peut jouer. Julie commence son premier événement de carrière. Voilà, utilisons la station de barista pour faire un café. Donc là, on a fait un stand. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc on va aller faire un café. Faire un café. Donc nous faisons des beaux cafés. Donc Sonia, c'est notre voisine de quartier. Les clients ont l'air d'avoir soif. Donne-moi l'heure du café. Hop. J'ai fini de parler à ce qu'il m'a. Oh, vite, près du café, vite. Il y en a partout, nettoyer cette table. Excusez-moi, mais je dois te laisser. Sinon, on se parle après sur Discord. Oui, bien sûr, on parle après sur Discord. Julie, tu as invité ta chambre.
Mais je trouve tout ça au trait de chez. Donc là, mon travail, table à manger, côté une tâche incrustée. Quoi. Donc, ce travail. Donc là, on a de plus en plus de choses à faire. Donc, il faut plusieurs trucs en même temps et d'autres. Donc là, je dois aller faire un café, je pense. Donc là, on a fini de travailler pour notre premier jour. Donc, obtenir la réponse. Julie a obtenu une promotion dans la carrière barista. C'est bonté, la seule chose que les clients aiment plus que le café, c'est un deuxième. Oui, mais j'adore ce métier. Le café, c'est ma passion. J'ai travaillé tant que je peux être ici. Ça fait plaisir à entendre. J'espère que cela me plaira autant qu'à vous. Nouvelle recrue de café. Donc là, voilà. Chapitre terminé. Contenu débloqué. Réfrigérateur. Réveil. En beauté. J'ai compris. Donc voilà ce qu'on vous donne. Donc, vous apprenez vite. Je crois que vous êtes prête pour le latte art. Vous voyez? C'est le latte art qui fait le latte, qui est la responsabilité. Je pense que vous êtes prête pour le premier service. Merci de votre aide. Continuons sur notre lancée, retournons à la maison et on va notre cuisine. Donc, le premier chapitre est terminé. Le premier live est terminé. J'espère que ce premier live sur les sens vous aura plu, et puis moi je vous dis à plus tard pour un prochain live, une prochaine vidéo. Je dois d'ailleurs sortir une vidéo sur MSP dans peu de temps, mais je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de la monter. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à plus tard. Je pense faire un live soit demain, soit mercredi après-midi. J'espère au plus vite, etc. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et tout et tout. Je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. Et je me répète. Peace.